Plaisir de voir autant de jeunes compléter le groupe professionnel, surtout de les suivre. J'ai eu la chance de participer au stage de pré-saison. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour la formation niçoise. C'est une bonne chose aussi pour le club, parce que bon, c'était les ambitions du projet sportif il y a 2-3 ans en arrière. Voilà, ça se concrétise avec un nombre important de jeunes qui doivent encore bien entendu progresser au contact des pros confirmés. Mais bon, globalement ils sont dans les temps de passage et il faut encore qu'ils s'aguerrissent avec un peu plus de maturité et d'expérience. Voilà, on enchaîne et tu viens là. C'est ça. Et venez les gars, venez vous situer au niveau parfait. Fait combien là, 15 secondes là, 15 secondes, il y a plein de tours. En aller-retour. T'es en retard là, si tu veux. Récupère. Je suis 15 secondes. Là tu fais rien, tu peux récupérer. Enchaîne, qu'est-ce que tu fais, papy? Continuez. 5 secondes encore. Et venez. Bien joué, vous êtes en temps les gars. Là Alex. Et venez vous situer les gars. Encore moins vite. Venez. Parfait papy, Grégoire, Nema, super. Bien joué les gars. Venez vous situer. Vous êtes en retard. Top. 13, 14, 7. C'est un stage qui s'est bien passé. Il y a quelques petits bonbons, ce qui est normal par rapport à l'intensité qui était donnée. Et en tout cas, c'était pour moi un très bon stage, puisqu'on a pu faire un tour d'horizon déjà de l'effectif, puisqu'on était assez nombreux.
puis également dans un cadre super, des gens très très dévoués, de super infrastructures. Je considère que c'était vraiment un stage de qualité de par ce qui nous a été proposé. Et voilà, bon, ça ne veut pas dire qu'automatiquement ça sera super derrière, mais en tout cas c'était important de faire un stage dans ces conditions-là et on est très satisfait.